Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Pour ceux qui nous suivent et suivent nos travaux, je prie bien vouloir nous excuser de cette petite demi-heure de retard sur le début de l'audition, qui est liée à la réalité du système de transport dans notre monde, puisqu'on sait que certaines auditions sont parfois attendues et suivies. Donc, voilà. Bien, aujourd'hui, nous avons prévu deux auditions dans le cadre des travaux de notre commission d'enquête, toujours encore chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Nous commençons par l'audition de Monsieur Bernard Fontana, président de Framatome. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir accepté de venir faire part de votre expérience d'industriel du nucléaire devant notre commission d'enquête. Vous êtes président depuis 2015 de la société Framatome, laquelle avait pour nom précédemment Areva NP. Peut-être que ce sera un des éléments d'ailleurs de votre propos liminaire, l'histoire de la création de Framatome et des évolutions récentes. La société que vous dirigez est une filiale d'EDF à 75,5%. C'est une société dont le marché est international, les réacteurs français ne représentant qu'une partie du carnet de commandes de Framatome, dont les activités ne se limitent d'ailleurs pas à la fabrication d'équipements. La première question qui vient à l'esprit est alors la suivante. Les difficultés rencontrées ces dernières années sur le chantier français, les chantiers français, sont-elles communes à ces types de chantiers, quel que soit le lieu d'implantation, ou sont-elles propres à la France et éventuellement aussi à certains de ses voisins européens? Les causes du retard pris dans la réalisation de l'EPR de Flamanville intéressent évidemment les membres de notre commission d'enquête, mais plus que les causes techniques, ce sont davantage les raisons liées aux procédures de décision qui nous interrogent. Dans son rapport rendu il y a 3 ans, Jean-Martin Fols évoquait ainsi à propos du couvercle de la cuve de ce réacteur à la fois les vicissitudes des fabrications industrielles et l'évolution de la réglementation des équipements sous pression nucléaire. Votre avis d'industriel au regard des changements réglementaires intervenus dans votre secteur d'activité nous intéresse particulièrement. L'absence de grands projets français depuis de nombreuses années, à part Flamanville, tranche avec la situation actuelle. Flamanville qui est toujours en cours, les maintenances de réacteurs plus ou moins régulières, mais aussi le grand carénage et la découverte d'un problème générique. Tout ça conjugué avec l'annonce d'une reprise du nucléaire à des échéances qui restent pour le coup encore peu précises et avec des réacteurs de divers types qu'on pourrait imaginer. Jean-Martin Fols terminait son rapport sur la phrase suivante. Je cite. Il s'agit concrètement d'afficher des programmes stables à long terme de construction de nouveaux réacteurs en France et d'entretien du parc existant qui donnent aux entreprises cernées la visibilité et la confiance nécessaires pour qu'elles engagent les efforts d'investissement et de recrutement indispensables. Ces recommandations publiques entrent en résonance avec certains des éléments que nous avons déjà pu recueillir au cours de nos auditions, et notamment sur le contenu de rapports qui avaient préalablement déjà été communiqués aux décideurs gouvernementaux. Monsieur Fontana, vous dirigez Framatome depuis 2015. Pouvez-vous nous dire si les autorités publiques françaises vous ont finalement donné ce type d'assurance, cette perspective, et si oui, depuis quand? La création en 2017 d'EDVENS, filiale d'ingénierie commune à EDF et Framatome, dédiée au projet de construction de nouvelles centrales nucléaires en France et dans le monde, répond-elle à ce besoin? Enfin, pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Mais avant de vous donner la parole, Monsieur le Président, et afin que vous puissiez nous présenter votre propos liminaire et de répondre ensuite à nos questions, il me revient de vous demander, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de bien vouloir prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie en conséquence de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup et je vous laisse du coup la parole pour un propos liminaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci. Donc effectivement, j'ai rejoint Areva NP en septembre 2015 pour y regrouper les activités de l'actuel Framatome, maintenant codétenu par EDF 75,5%, Mitsubishi Heavy Industries 19,5% et Assystem 5%. Et depuis le 31-12-2017. Je me rappelle avoir alors proposé à Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, d'appeler la nouvelle entité Framatome, ce qu'il a accepté. C'est pour ça que depuis le
4 janvier 2018, nous sommes de nouveau Framatome. Et peu de temps après, nous avons fait célébrer les 60 ans de la société. Alors, j'ai rejoint, après une carrière dans l'industrie, dans le groupe SNPE au départ, dans les procédés, la production, le commerce, un peu partout aux États-Unis, en Amérique du Nord, j'étais directeur général adjoint du groupe, puis ArcelorMittal, où j'étais responsable des aciers pour automobiles, des RH du groupe, puis responsable de l'activité Inox, qui est maintenant en bourse sous le nom d'Aperam, et puis j'avais rejoint Holcim, qui est le cimentier leader mondial aujourd'hui. Alors, Framatome, aujourd'hui, nous sommes 16 500 collaborateurs, un chiffre d'affaires l'an dernier de 3,3 milliards, cette année probablement 4 milliards, dont un tiers pour EDF, un carnet de commandes d'un peu plus de 12 milliards d'euros et un EBITDA ex brut d'exploitation l'an dernier de 576 millions d'euros et un cash flow opérationnel, c'est le cash qui reste après avoir fait les investissements, acheté éventuellement des sociétés, de l'ordre l'an dernier de près de 300 millions d'euros. Et donc aujourd'hui, Framatome n'a pas de dette hein, et investit et recrute 1 500 personnes par an. J'y reviendrai. Notre priorité, c'est la sûreté, la sécurité, la qualité. Et nous sommes organisés avec une direction technique et d'ingénierie où se retrouvent là les connaissances des réacteurs nucléaires. Et deux gros métiers, un métier dit de base installée, c'est-à-dire que nous faisons la maintenance dans des réacteurs nucléaires. Ça représente un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Et nous intervenons sur près de 380 des 450 réacteurs qu'il y a dans le monde. Une activité de design et de fabrication de combustible nucléaire, pareil, un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Une activité de contrôle-commande, où sont regroupés les anciens contrôles-commandes de sûreté de Siemens, ceux de Schneider, nous avons repris début 2018 et maintenant récemment ceux de Rolls-Royce Civil Nucléaire, les anciens Merlin-Gérin. Pourquoi ? Parce que ce sont des systèmes qui durent longtemps, il faut maintenir des compétences critiques et ça appelle une sorte de consolidation pour regrouper les compétences. Vous l'avez évoqué, nous fabriquons également des équipements hein, pour les grands projets, intervenons sur un certain nombre de grands projets. Alors nous sommes les héritiers de la franco-américaine de construction atomique qui avait été constituée en décembre 1958, c'était un bureau d'ingénierie à l'époque, et qui s'est vu confier le mandat de construire le parc nucléaire français en 1975 sous forme de licence hein, de l'américain Westinghouse. Alors, cette grande époque a été accompagnée de réussites, mais aussi à l'export, avec les programmes des centrales nucléaires de Dayabé, de Lingao en Chine notamment, et de Keberg en Afrique du Sud. Évidemment, l'activité de Framatome était impactée par l'arrêt des constructions de centrales en France et elle s'est repliée sur ces deux grands métiers, donc la base installée, la maintenance, les combustibles et l'international. Il y a eu des restructurations en France. Areva est créé en 2001 par le regroupement de CEA Industries, de Cogema et de Framatome. Le nom Framatome disparaît, la marque disparaît en 2006. Hein. Nous devenons Areva NP. Nous nous rapprochons de Siemens Nucléaire. Là se développe un programme franco-allemand, l'EPR. C'est de là que ça vient. Mais Siemens se retire du capital d'Areva NP en mars 2011 dans un contexte où l'Allemagne se désengage du nucléaire. Et les difficultés financières qu'a connues Areva ont conduit à la cession que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, vous m'aviez posé des questions sur c'est quoi la souveraineté énergétique. Bon, très naïvement, pour moi, c'est la capacité à répondre aux besoins énergétiques de la France par des solutions nationales ou par des coopérations choisies et maîtrisées, combinées à une capacité de mouvement à l'international. Alors, Framatome, la notion de souveraineté, ça a été toujours quelque chose de très présent. Au départ, nous sommes des technologies de Westinghouse. Et ces technologies sont devenues souveraines à l'occasion d'un accord intergouvernemental, je crois en 1993. Et cet attachement à la propriété intellectuelle, à la propriété des technologies, est assez quelque chose de génétique hein, pour les Framatomes. Les réglementations d'export contrôle se sont renforcées, complexifiées, hein. Notamment aux États-Unis, c'est pour ça que nos équipes prennent une attention toute particulière à la souveraineté de nos technologies, de nos codes, de nos méthodes, de nos composants, y compris également ceux de nos fournisseurs. L'EPR est
une construction franco-allemande. Donc, il y a des technologies allemandes qui sont là. Bon, très bien, nous avons des collègues en Allemagne, 2500, et nous comptons sur eux. Mais nous avons un programme qui consiste à nous assurer de la souveraineté française, de la capacité à faire ces technologies allemandes. Ça veut dire que les Allemands peuvent le faire, et en toute transparence avec eux, nous donnons la capacité, si un jour il y a besoin, de faire, de maîtriser ces savoirs en France. Également, nous sommes beaucoup intervenus en Chine, notamment avec les EPR, et dans un contexte où les États-Unis se dotaient de réglementations d'export contrôle très rigoureuses, ben la Chine s'est dotée aussi de réglementations de même nature. Et donc nous sommes attentifs à ce que nous faisons en Chine puisse bénéficier également d'expériences souveraines pour qu'un jour, si nécessaire, nous puissions revendiquer la souveraineté des technologies et des expériences que nous avons pu faire en Chine. Donc cet axe de souveraineté, c'est un axe de notre stratégie et que nous assumons totalement depuis 2018 et qui s'est traduit par un rôle accru de nos usines françaises et de nos équipes françaises. Et par exemple, dans notre site d'Ugine, nous mettons en ce moment au point une capacité à faire des alliages ou des aciers particuliers que nous achetons à l'étranger, mais il nous paraît pertinent d'avoir la capacité à les faire en France. Ça nous a conduit également à certaines de prises de contrôle. J'évoquais tout à l'heure les ex-Rolls-Royce civils nucléaires à Grenoble. Historiquement, c'était les Merlin-Gérin. Ces systèmes de contrôle commande équipent notamment le parc français. Et donc, Framatome est maintenant propriétaire de cet ensemble qui assure donc une souveraineté de contrôle commande d'équipement essentiel pour certaines centrales en France, mais aussi dans certains pays. Cela nous a amené également à prendre le contrôle, il y a 2 ans, de Valinox. C'était une filiale de Vallourec qui fait des tubes pour les générateurs de vapeur qui se trouvaient en difficulté. Et donc d'y concentrer tous nos besoins et d'y maintenir 40 ans d'expérience. Alors si je reviens sur la situation fin 2015, début 2016, donc moi j'arrive de l'industrie, et c'est vrai que pour moi le nucléaire c'est quelque chose de high-tech, le summum de la technologie. Et mon premier étonnement c'était de voir dans l'ensemble industriel des usines pour certaines pas bien éclairées, pour certaines non conformes à certaines réglementations françaises. Et des méthodes classiques de l'industrie assez peu déployées. Donc une sorte d'industrie à part, avec ses propres règles. Et lorsque je regardais l'activité des gros composants, pour l'essentiel, souvent à l'arrêt. Bon, nous avons connu des difficultés au Creusot, qui fait que pendant presque 3 ans, nous n'avons pas pu produire pour la France. Et je pense à un contrat, par exemple, à l'export de générateurs de vapeur. Vous avez 1000 points d'arrêt. Il était prévu dans le contrat 10 jours par point d'arrêt. Donc j'ai signalé à notre client que 10 000 jours, ça fait 30 ans. Et donc une culture d'arrêt, d'attente, de feu vert, d'autorisation, qui fait que, bon, ce qui est peut-être très, très commode quand il n'y a pas à produire, hein, vous vous occupez comme ça. Mais c'était la situation que nous avons trouvée. Par comparaison avec ce volet industriel faible, le pouvoir était dans les ingénieries, qui étaient les centres de décision, en fait, hein, engagés sur la sûreté, sur les technologies, mais assez peu préoccupés des volets industriels, d'autant plus que la partie industrielle était peu présente. Un très gros siège aussi, avec beaucoup de personnes de qualité, mais une grosse complexité de fonctionnement. Et surtout, le plus préoccupant, une pyramide d'âge avec beaucoup d'anciens qui partaient à la retraite, peu de gens pour les remplacer ou pour accueillir les nouveaux, et puis des jeunes qui avaient été recrutés. Donc un vrai sujet de pyramide d'âge. J'avais été particulièrement sensible, puisque à un moment j'étais DRH du groupe ArcelorMittal, j'avais en souvenir de Foss. Les Lorrains étaient venus faire la sidérurgie à Foss. Et quand j'étais jeune, on visitait, c'était l'exemple, le modèle hein, de management. Tout le monde était très fier. Mais ils étaient tous dans la même catégorie d'âge. Et ils sont à peu près tous partis à la retraite en même temps. Alors ça a été anticipé, mais ça n'a pas suffi que le site qui était le site phare du monde méditerranéen, a été en grande difficulté pendant 10 ans.
le temps de reconstituer une pyramide d'âge. Donc ces effets de pyramide d'âge sont très 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 puissants hein, dans l'industrie. Et puis il y avait forcément un peu de désarroi. Hein, l'Areva NP consommait 500 millions d'euros de cash, l'équivalent Areva NP par an, notamment sur le contrat finlandais, donc compréhensible. Malgré tout, une lueur, hein, des personnes de très grande qualité, très attachées à leur entreprise et très engagées. Alors, les raisons, vous avez cité des rapports, hein, il y en a beaucoup. Nous étions des licenciés, mais quand on est licencié, il y a d'autres qui ont pensé pour vous sur la capacité industrielle à faire, hein, et vous exécutez. Et on s'est transformé en designer, mais sans avoir forcément au départ les processus d'un designer qui se préoccupe du volet industriel de ce qu'il fait. Et puis, de toute façon, les programmes de nouvelles constructions se sont arrêtés. Et donc, ceux qui ont souffert, ce sont ces industriels-là. Pour certains qui se sont retournés vers d'autres activités, des plateformes industrielles ont été coupées en morceaux pour garder juste le minimum. Et puis les autres morceaux sont partis dans d'autres groupes. Et dans un contexte d'affaiblissement quand même un peu général du tissu industriel français au cours de ces décennies. Et puis certaines activités ont été conservées avec beaucoup d'efforts, mais pour beaucoup, je les trouvais dans des tailles sous critique. Donc on garde quelque chose, mais avec une taille sous critique. Donc sommes-nous capables de faire un programme? C'était ça la question que nous nous posions. Donc voilà, une situation de départ à la retraite, de perte de compétences que vous avez évoquées. Et au moment où tout ça se produit, les exigences augmentent. Elles augmentent tirées par la sûreté et les expériences de sûreté qu'il y a dans le monde et les conséquences qui en sont tirées. Aussi par le développement des technologies, des méthodes de contrôle, d'instrumentation. Vous voyez avec de l'instrumentation aujourd'hui des choses que vous ne voyez pas il y a 50 ans. C'est par exemple le cas des traitements thermiques de détensionnement. On se dit, tiens, comment ça se fait on traite une soudure. Ben oui, mais à l'époque, on avait grosse marge. De toute façon, il n'y a pas de problème mécanique, mais on ne regardait pas de la même manière. Les technologies ont évolué. Ensuite, cette coopération franco-allemande qui a été un facteur de visibilité, qui a mobilisé beaucoup de gens, mais aussi introduit, quand on fait des coopérations comme ça, un facteur de complexité complémentaire. Et finalement, une prise de pouvoir des juristes. Donc, dans un ensemble qui s'affaiblit, ben les sociétés se protègent. Et ce sont les juristes qui prennent le pouvoir. Alors, ne vous trompez pas, hein, j'ai beaucoup d'estime pour les juristes, ils sont très utiles. Mais parfois, je leur dis gentiment que je n'ai pas encore vu de juriste construire et démarrer une centrale nucléaire. Et donc il faut trouver le bon dosage. Et clairement, nous étions passés dans des relations très juridiques de protection de part et d'autre des entités. Alors, là-dessus, des politiques d'achat de donneurs d'ordre, souvent très focalisées sur le prix. Alors que vous avez des sujets dans l'industrie, il faut des compétences, de la qualité, du délai. Et le coût est important, mais il y a une séquence qu'il faut préserver. Hein. Voilà. Alors, pourtant, et les rapports le disent, on sait ce qu'il faut hein, pour faire des programmes compliqués. Il faut des compétences, des programmes, et avec des programmes, une gouvernance claire, notamment une maîtrise d'ouvrage. Ça a été mis en lumière, notamment dans le rapport Foltz que vous avez cité, une maîtrise d'œuvre précise. Et si je prends l'exemple de la défense, ce qu'on appelle une BITD, une base industrielle et technologique de défense, c'est-à-dire un tissu industriel en appui dont on s'occupe pour être sûr qu'il soit capable de faire les programmes. Alors, le nucléaire peut être davantage ouvert hein, à l'international, mais il y a quand même besoin d'avoir ce tissu industriel qui, à mon sens, n'était pas suffisant. Alors, que faire ? Eh bien, dans cette période-là, j'ai proposé au président d'EDF, au conseil d'administration de Framatome et de façon générale à mon actionnaire EDF, une stratégie qui était assez simple, qui consiste sûreté, sécurité, qualité
et les compétences, bon, on sait, donc il faut renforcer les compétences. Ça s'est traduit par, au cours des 5 dernières années, le recrutement de 6 000 personnes chez Framatome pour remplacer les départs à la retraite, renforcer les compétences techniques, mais aussi reconstituer la pyramide d'âge. Hein, sans quoi on refaisait un effet falaise qui, dans quelques décennies, allait produire les effets que nous avons connus. Également, il s'agissait de ne pas vider la filière de sa substance, puisqu'elle était elle-même en difficulté. Et donc là, je regardais nos statistiques de recrutement cette année, où là, nous avons déjà recruté 1700 personnes, 25% de jeunes, d'apprentis, d'alternants, 55% venant d'autres industries, et puis 20% dans une respiration de la filière. Et puis, quelque chose que nous avions hérité d'Areva, une présence féminine importante, une diversité, donc, qui, à mon avis, une force que nous avons hérité d'Areva, que nous voulons renforcer. Et nous visons un recrutement de 25% de femmes, plus si on pouvait, mais les filières ne produisent pas forcément suffisamment de dames. Un programme de knowledge management, c'est de transfert des savoirs. Dans une situation comme ça, il faut vraiment muscler le transfert des savoirs, doté de 50 millions d'euros. On a fait un benchmark en disant comment font les meilleurs dans le monde. Et un effort accru de recherche et développement. Un, ça renforce nos connaissances de technologie. Et deux, c'est un moyen de renforcer l'expertise et de stabiliser et structurer l'expertise dans Framatome. C'est également un moyen, alors que nous avons accès à des budgets, notamment aux États-Unis, de confirmer la souveraineté de nos technologies. Donc, les compétences. Deuxième volet, c'est d'être des industriels avec des méthodes, de faire entrer, même si elle a ses particularités, dans notre industrie, les méthodes qui font la réussite des autres industries, qu'on appelle l'excellence opérationnelle, relayée avec ce qu'on appelle Excel in Quality, en miroir du programme Excel qu'a lancé le groupe EDF. Et puis un effort important de modernisation et d'amélioration de la capacité de nos sites industriels. Et ça s'est traduit par 1 milliard d'investissements dans nos usines, essentiellement en France, au cours des 5 dernières années. Et nous espérons pouvoir faire, comptons pouvoir faire encore 1 milliard, dans la mesure qu'il y a les programmes qui se présentent devant nous, au cours des 4 prochaines années, et continuer à recruter, comme je l'évoquais tout à l'heure, 6 000 personnes au cours des 4 prochaines années. Le troisième volet était d'être agile, c'est-à-dire il s'agissait de respecter des trajectoires financières. Et donc nous avons baissé nos frais de siège et immobilier, qui étaient à l'époque à 469 millions. Nous allons terminer cette année à 169 millions. Bon, ces 300 millions d'euros de moins, c'est du cash qui était disponible pour justement investir, recruter, faire de la recherche et puis rester en bonne santé financière. Alors, nous restons quand même complexes dans notre fonctionnement, mais il y a cet effort qui a été fait. Ensuite, si vous recrutez, il faut faire travailler les gens pour qu'ils soient compétents. Donc, un effort commercial qu'on a, nous avons appelé excellence commerciale, d'aller chercher des commandes. Alors, le carnet est actuellement à un peu plus de 12 milliards d'euros dans Framatome, en France, mais aussi à l'international. Où nous cherchons un effet d'échelle. Ça s'est fait au Canada, en Grande-Bretagne, en Europe centrale, puis au Moyen-Orient, et puis dans certains cas, des acquisitions ciblées qui donnent accès à des compétences et à l'accès à des marchés pour aller chercher ces effets d'échelle. Alors j'ai eu la chance aussi en arrivant, c'est que le contrat Inclaypoint a été signé, ce qui a amené une bouffée d'oxygène à nos sites de gros composants, dont en gros... La capacité de production a doublé au cours des 4 dernières années, mais c'est un effort industriel important de remonter en cadence ces sites pour les amener à leur taille critique. Et puis, après Inclaypoint, quoi ? Il s'est posé la question de... on ne va pas redescendre en taille sous critique. Et donc, à ce moment-là, j'ai proposé, c'était il y a 3-4 ans, au conseil d'administration à EDF, de faire un programme que nous avons appelé Juliette, qui consistait à dire... Si on a des usines, un moyen industriel, on sait ce qu'il faut, c'est garder les compétences. Donc les gens, on va les garder. Il faut aussi maintenir les faire travailler. Et donc, on va peut-être acheter de l'acier, et quitte à travailler, autant faire des pièces.
Mais pour éviter que ce soit des pièces de musée, ce serait bien si on était capable de standardiser nos équipements, nos besoins. Ce qui, à la fois, permet de faire des pièces utiles, et ensuite, permet de, par la répétition des gestes, finalement, d'être meilleur en qualité, meilleur en efficacité économique. Et donc, le conseil, donc, ce programme s'accompagnait d'un programme de standardisation et de travail au niveau des ingénieries pour justement standardiser nos ingénieries et ensuite, plus tard, s'il y a des ajustements des standards, les faire en liaison avec les industriels. C'est en gros le diagnostic que je vous avais présenté. Et ça a été accepté. Ça a été accepté une première fois il y a 3 ans. Et puis au printemps dernier, le budget, dit Juliette, a été étendu à 400 millions au niveau du groupe EDF, d'ailleurs à l'unanimité des administrateurs du groupe EDF. Alors ça, c'était une chose, mais pour faire des pièces utiles, il faut aussi qu'elles bénéficient de leur accompagnement réglementaire. Et donc, ça suppose que des programmes soient lancés, des accompagnements réglementaires soient faits. Et là, se présentait la situation en Grande-Bretagne, où les Britanniques souhaitaient faire Sizewell comme une réplication d'Hinkley Point. Et ça, ça a été vraiment une chance pour nous, parce que l'autorité britannique a accepté que des pièces excédentaires d'Hinkley Point soient reconnues comme valables au sens de la réglementation si Sizewell se faisait. Et donc, vous savez peut-être, donc le 28 novembre, la Grande-Bretagne a prononcé une Government Investment Decision en faveur de Sizewell C. Ça s'est traduit par la semaine dernière par la signature d'un Early Work Agreement pour Framatome. Nous avons dit, nous pouvons vous faire bénéficier des effets de la réplication, mais il faut maintenir les conditions de réplication. Donc on ne peut pas attendre 10 ans pour refaire des pièces et dire que ça va être la même, les gens ne seront pas partis à la retraite. Et donc c'est un contrat de 200 millions qui vient compléter le dispositif qui a été signé. Là. Ça a pris 3 jours. Hein, on l'avait anticipé. Donc voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons, où nous avons devant nous la perspective de les deux Hinkley Point, les deux Sizewell, les 6 EPR2 pour la France. Il s'agit maintenant de continuer cette reconquête hein, de nos bases industrielles et avec les orientations qui sont quand même beaucoup plus favorables maintenant que ce qu'il y avait il y a 5 ans. Maintenant, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des fournisseurs. Et là, je reviens toujours sur ce concept ou BITD dans la défense, ou supply chain en France. C'est la clé. Alors nous mesurons nos conformités par million d'heures travaillées. Maintenant, il y a plus de la moitié, les 2/3, elles viennent de notre supply chain, parce qu'eux-mêmes n'ont plus cette expérience. Le nucléaire s'est regroupé dans le GIFE, le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, le GIFEN, pardon, qui est déjà une première base de travail, mais il faudra continuer à travailler avec cette supply chain, identifier des partenariats pour bâtir des bases capables de répondre au programme industriel. Donc pour moi, c'est un des points importants de mon travail en ce moment. Alors tout ça se fait dans le temps long. Hein, vous avez évoqué le FA3, le couvercle, etc. Et c'est vrai, à l'époque, la fameuse cuve, tout le monde s'est demandé, mais comment ça se fait? Pourquoi votre cuve, elle n'est pas conforme à la réglementation ESPN? Sauf qu'à l'époque où elle a été faite, la réglementation n'existait pas. Donc elle a été faite conforme à la réglementation de l'époque. Donc c'était ça le propos. Donc il faut intégrer ces dimensions de temps long, ce qui rend d'autant plus importantes les notions d'organisation, de gouvernance, de maîtrise d'ouvrage, c'est d'avoir ce regard complet hein, sur les conséquences des décisions qui sont prises et des accompagnements qu'il faut faire. Et puis c'est le temps long, donc c'est un travail d'humilité, parce que vous pouvez travailler aujourd'hui, puis il y a des choses qui ressortent, c'était il y a 10 ans, bon, ben, il faut les assumer, les traiter et les améliorer. Voilà, donc c'est un travail humble, fastidieux, mais qui mérite d'être fait. Hein. C'est la reconstitution d'une base industrielle, et moi je remercie tous mes collègues. Qui sont très engagés là-dessus et nous disons que nous sommes fiers d'être Framatome. Mais aujourd'hui, il y a encore du travail à faire,
mais je pense que vous pouvez compter sur l'engagement des équipes de Framatome. Voilà, j'étais un peu long dans ce procédé, mais la passion pour l'industrie m'a emporté là. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Ça m'emmène sur une première question que je souhaiterais vous poser, c'est autour finalement de l'histoire complexe de l'organisation industrielle du nucléaire en France, notamment ces 20-25 dernières années autour du récit d'Areva. Comment est-ce que vous appréhendez aujourd'hui l'organisation nucléaire, de la filière nucléaire en France, entre EDF, Framatome, Orano, et la répartition des rôles de chacun dans ce que constitue la filière nucléaire, et comment la qualifieriez-vous par rapport à d'autres organisations? Et on peut immédiatement penser, par exemple, au système russe, avec Rosatom, qui semble, en tout cas, présenter une organisation complètement intégrée. Donc voilà, comment vous percevez ça, et peut-être si vous arrivez à le mettre en perspective avec l'histoire de l'organisation, la tentative d'Areva en dehors d'EDF, la concurrence Areva-EDF et finalement l'échec. Effectivement, Rosatom a tout intégré. Hein. On se dit, ils sont multiples aussi hein, à l'intérieur. Hein. Bon, donc c'est un modèle. Pour moi, il y a une organisation. L'organisation aujourd'hui, par exemple, EDF s'est dotée d'une maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est très, très, très important, très clair. Hein. Une clarification de rôle de maîtrise d'œuvre. Vous m'avez posé la question d'Advance. Hein. Bon, Advance, on était d'accord pour le faire. On l'a d'ailleurs créé en 2017, avant même la recréation de Framatome. Pour moi, après, c'est tout. Il faut faire marcher. Est-ce que le sujet, c'est savoir, est-ce que l'organisation un peu plus, un peu moins. L'important, c'est d'en avoir une, que les personnes connaissent bien leur rôle et de la faire marcher. Enfin, moi, je suis plus parce qu'on peut changer constamment les organisations. On peut toujours améliorer, hein, c'est pas un problème. Mais l'important, c'est d'avoir un état d'esprit de faire marcher les organisations et que qu'on se donne les moyens d'arbitrer pour la réussite des projets plutôt que la préservation d'intérêts d'organisation. Après, on peut faciliter ça, mais c'est surtout un état d'esprit. Quand on écoute les anciens, ils avaient des difficultés, mais c'était l'état d'esprit qui les animait, c'était de faire marcher et trouver ensuite des solutions de bonne foi. Dans ce qui permet la stabilité et l'efficacité de votre filière industrielle, il y a la perspective, notamment les perspectives de commande. Donc on voit bien que sur l'entretien, la maintenance, le combustible, ça semble du routinier. Tant qu'il y a un parc, il y en aura. Donc ça vous permet d'ailleurs d'avoir un carnet de commandes qui est bien rempli. Sur la construction de centrales, c'est un peu plus par à-coups. Comment est-ce que vous appréhendez le marché de la construction de centrales dans les années qui viennent? Et surtout, quelles sont vos forces et vos faiblesses pour vous projeter sur ce marché et être capable d'en décrocher? Il semblerait quand même que la France n'ait pas vendu beaucoup de centrales nucléaires ces dernières années. Est-ce que ça va changer? Après, il y en a eu malgré tout. Hein, il y a eu... Flamanville en France, il y a eu le Olkiluoto en Finlande. On peut avoir tous les avis qu'on peut avoir sur ces programmes, mais ils ont été là. Ils ont quelque part aussi joué un rôle de contribution hein, en compétences. Il y a eu les deux de Taishan. Maintenant, avec les deux en cours de Dingley Point, d'ailleurs, je suis content de pouvoir vous dire que la cuve Dingley Point 1 est prête. Et qu'elle va être célébrée le 15 décembre. Et qu'elle a le luxe de pouvoir dire où est-ce que je vais, où est-ce qu'on me met. Donc cette cuve est prête. Et les deux Sizewell et les 6 EPR, ça crée une perspective qui nous permet, où là il nous faut travailler à standardiser, nous structurer.
et engranger ainsi des effets. Un, de stabilité de design, de standardisation, de qualité, et ensuite les effets de temps et compétitivité viennent. Hein. Et déjà, c'est déjà un beau programme, hein, qui va nous prendre du temps. Et maintenant, pour nous, c'est de travailler à sécuriser, à garantir notre capacité à délivrer ces programmes en tirant un peu au-dessus pour nous redonner de la marge de manœuvre au cas où des aléas se produiraient, parce que c'est quand même des programmes complexes, et d'accueillir de nouvelles affaires si effectivement elles se présentent. Mais c'est sûr que vous êtes pour vendre quelque chose, il faut quand même avoir quelque chose chez vous qui marche. Hein. C'est difficile de vendre quelque chose que vous ne faites pas chez vous. Ensuite, il y a beaucoup d'activités sur des SMR de nouvelle génération qui présentent beaucoup d'intérêt, hein, pour un certain nombre d'acteurs, de stakeholders, maintenant qui sont à des stades de développement plus ou moins avancés. Alors au début, quand vous êtes à un stade de développement en papier, vous avez toutes les vertus du monde, parce que puis quand la maturité augmente, vous êtes confronté aux problèmes technologiques. Donc il se produira, hein, forcément, certainement des choses dans ces domaines-là, mais il faudra les juger à l'aune de la maturité de ces projets. Et pas forcément écouter celui qui peut tout faire. Il faut vérifier le niveau de maturité technologique des projets. Vous parliez tout à l'heure des règles d'export-contrôle américaines, comme étant d'ailleurs un des éléments de constitution de leur souveraineté, la maîtrise du brevet. Est-ce que vous avez le sentiment que l'accompagnement réglementaire français et européen vous permet de sécuriser la détention de vos technologies quand vous allez exporter hors d'Europe? Oui, enfin nous les règles du jeu sont connues. Enfin donc nous jouons à l'intérieur de ces règles du jeu. Pour moi, dans mon système de réflexion, c'est plutôt national, hein, ces règles-là, plus qu'européennes. Hein. Et oui. Il y a des règles du jeu qu'il faut respecter. Mais il faut nous-mêmes, nous soyons attentifs. Parce que un réacteur nucléaire, c'est compliqué. Vous avez 7 millions de composants qu'il faut mettre ensemble. Ben, si vous en avez un sur lequel vous êtes bloqué, vous pouvez vous faire bloquer. Enfin, surtout qu'on est dans le temps long. Et les listes de composants soumis à l'export contrôle peuvent varier dans le temps. Donc il faut être très prudent et avoir des plans B, donc avoir une analyse fine de sa supply chain. Ça, c'est quelque chose de très important à faire et que nous faisons. Très bien, merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Voilà, il faudra jouer au ping-pong avec les micros. Et pas avec le rapporteur. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur Fontana, pour ce propos liminaire et vos questions. Pardon. Je commence par une question extrêmement simple. Vous avez déjà largement évoqué l'état de la filière industrielle à votre arrivée à la tête de Framatome, mais j'imagine à la tête de... Enfin, l'état qui, au-delà de Framatome, de l'ensemble de la filière nucléaire française. Beaucoup de choses ont été écrites sur l'EPR de Flamanville. Je voudrais quand même avoir votre avis sur les différentes étapes qui, selon vous, ont mené à la situation actuelle, autant potentiellement en termes de pilotage du projet et de coûts, mais ce n'est probablement pas la partie la plus intéressante à aborder avec vous, mais surtout sur la partie technique, sur la décision de construire un seul réacteur, sur la décision ensuite, enfin sur les décisions ensuite techniques qui ont été prises, les choix des techniques qui ont été pris au fur et à mesure des années. Est-ce que quelle part de responsabilité vous attribuez aux acteurs, aux aléas? Et puis, est-ce que vous pensez qu'on aurait dû faire évoluer le projet pour éviter la situation actuelle? Bon, je n'étais pas non plus toutes ces époques de décision, donc je ne peux pas commenter sur des choses que je ne connais pas. Quand j'étais cimentier, quand je présentais à mon conseil d'administration un gros investissement, j'avais intérêt à savoir ce que je voulais construire. Donc c'était très précis. Là,
vous arrivez à un moment où le design n'est pas forcément tout à fait achevé. Hein. Ensuite, c'est du temps long. Ensuite, les sujets d'organisation ont été évoqués dans le rapport Foltz, donc je ne reviendrai pas dessus. Et ensuite, dans ce temps long, la réglementation a évolué. Donc, il y a la fameuse ESPN qui est intervenue. Alors, Areva et EDF ont dit on va appliquer la nouvelle réglementation. Bon, on comprend bien hein, que c'était un progrès, mais effectivement, je pense que les conséquences n'avaient pas été suffisamment évaluées à l'époque. Bon, ça a été un apprentissage. Hein. Et puis après, on a par exemple regardé, je prends l'exemple, les fameuses soudures compliquées là, d'exclusion de rupture qu'il a fallu refaire en disant, eh bien, ils étaient devant les soudures, ils se sont dit, tiens, il faut des soudures d'exclusion de rupture, on connaît des tuyaux dans telle industrie qui vont bien, il y avait des specs à l'époque, voilà ce qu'on va faire. C'est passé dans des groupes permanents, où d'ailleurs il y a des experts qui ont dit, attention, est-ce que vous vérifiez bien le côté industriel de ce que vous allez, faire. Et si vous prenez des soudures, s'il vous faut des tuyaux qui sont fabriqués d'une certaine manière, des matériaux d'apport qui sont fabriqués d'une certaine manière, des procédés de soudage, des soudeurs qui sont formés, des procédés de contrôle, des contrôleurs. Et si vous changez un seul paramètre, vous êtes à grand risque. Et là, vous dites, hop, je vais faire quelque chose. Alors la chaîne de soudage, elle n'était pas en place. Et quand vous l'improvisez au moment où vous construisez, évidemment, le miracle aura été que ça marche. Je reviens toujours sur ces bases industrielles qu'il faut avoir prêtes. Et par exemple, et régler une chaîne de soudage, ça prend 3 ans. Ça, voilà, c'est les règles de la vie industrielle. Vous ne pouvez pas inventer quelque chose comme ça. Et donc, il faut être prêt. Et avoir ce regard sur votre filière et votre tissu d'ingénierie, votre tissu industriel, et suis-je capable de faire et d'anticiper les mesures. Ce qui est toujours difficile, parce que vous n'avez pas forcément le financement pour le projet, etc. Hein. Mais c'est ce regard-là qu'il faut avoir. Et par exemple, pour ces soudures compliquées, nous, Framatome, on a dit, bon, ce ne sera peut-être pas nous qui les ferons, mais de secondaire, circondaire, mais on veut avoir une option sur la table. Et donc, on a acheté une division d'une société de soudage, d'ailleurs, dans les sous-marins et dans le civil, avec 400 personnes, dont 100 soudeurs tuyauteurs, pour les doubler et dire, bon, on veut mettre au point un procédé et avoir une alternative disponible pour souder en 2028. Et on l'a fait cette année, parce qu'il faut le temps de le faire. Au passage, je pense que ce n'est pas une erreur, parce qu'avoir des bons soudeurs, pas de souci pour les utiliser où que ce soit. Mais c'est encore une fois ce regard industriel complet, y compris sur la base industrielle qu'on veut avoir, qui est nécessaire et qui a manqué à ce moment-là, me semble-t-il. Je vous remercie. J'ai l'impression, mais c'est probablement qu'une impression, donc je vous demande de la confirmer ou de l'infirmer, que implicitement, ce que vous dites, c'est que les réglementations qui sont prises, c'est pas un scoop, je pense, hein, mais que les réglementations qui sont prises, y compris en matière de filière nucléaire, que ce soit de sûreté ou simplement de qualité, l'ont été visiblement avec une concertation limitée avec les acteurs de la filière industrielle. Et donc, comme s'il y avait des exigences qui étaient posées sans rapport direct ou en tout cas sans connaissance de la part de ceux qui faisaient les réglementations, de l'implication sur la filière, enfin plus exactement sur la capacité à effectuer ces travaux. Est-ce que c'est juste ? C'est une manière facile pour les industriels de présenter la chose. Hein. Mais de mon point de vue, les industriels ont eux-mêmes des ingénieries et des volets industriels. Et ils sont partie prenante aussi, d'une certaine manière. Les réglementations ne se font pas comme ça toutes seules. Et c'est le point insuffisant de la partie industrielle de s'assurer, maintenant on le fait avec des architectes dans les ingénieries, puis des responsables produits dans la partie industrielle qui s'assurent que c'est faisable, d'avoir ce poids suffisant, y compris au niveau des industriels. Donc on peut accuser toute la terre, mais déjà que chacun fasse son travail dans son coin. Et je pense que l'industriel, il a la responsabilité aussi d'avoir des ingénieries qui sont préoccupées par le côté industriel des choses, de mettre en place les organisations qui vont bien,
la standardisation y aide. Hein. Et ensuite, bien, si vous avez un pôle industriel plus puissant, il est davantage capable aussi de jouer son rôle et de légitime d'expliquer pourquoi certaines choses sont faisables et d'autres moins. Donc, je trouve que il peut y avoir un volet dans la réglementation, mais c'est trop facile. Il faut aussi que les industriels fassent leur travail. Donc, vous attribuez quand vous évoquez la sous-évaluation ou la mauvaise anticipation en termes de conséquences techniques et industrielles de la réglementation, vous y voyez une combinaison de raisons, à la fois les concepteurs de la réglementation, la faiblesse des capacités d'ingénierie, même si vous avez dit qu'elles étaient plutôt fortes par rapport aux capacités techniques et industrielles dans la filière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un problème compliqué, trouver une solution d'ingénierie compliquée, mais ensuite... Si vous considérez que l'industrie, c'est une variable d'ajustement, au moment où il faut le faire, ça devient difficile. Mais c'est trop tard. Et vous êtes engagé dans quelque chose de compliqué. Après, il faut justifier, faire des tas de calculs, etc. Donc c'est vraiment d'avoir cette base industrielle qui s'était affaiblie, qui avait même disparu dans certains cas, et d'y être attentif. D'ailleurs, dans la défense, c'est ce qu'il y a. Il y a ce qu'on appelle la PITD, on s'en occupe et elle est là. Elle participe de la souveraineté. Et souvent, d'ailleurs, c'est très intéressant pour moi cette comparaison, parce que souvent, c'est des bases communes, qui parfois des technologies ou de même nature. Et là, il y a un point fort de la France potentielle. C'est pour moi un des enjeux, une opportunité formidable de programme nucléaire français, c'est de renforcer cette base industrielle. Et alors, si on s'interroge sur la comparaison internationale, si on prend les pays que vous avez mentionnés, enfin, on peut prendre la Finlande, mais la Chine en particulier ou d'autres, si on raisonne par comparaison ou par contraste, est-ce que vous observez du point de vue de la capacité d'innovation, de la capacité industrielle, de la capacité à prendre des décisions et à adapter les réglementations, des différences fortes ou pas? Et quel est leur impact, en particulier, je pense à la construction des EPR et aux réussites récentes de la Chine? Bon, ils ont des autorités sévères, hein, attention, hein, qui jouent leur rôle. Hein, il y a vraiment pas de question. Par contre, oui, ben, ils ont une capacité industrielle à construire. S'il faut mobiliser 10 000 personnes, ils vous mobilisent 10 000 personnes en une semaine. Hein. Et donc, c'est cette capacité à faire, à construire, elle existe là-bas. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, oui. Excusez-moi, juste un point là-dessus, parce qu'on en a parlé d'ailleurs pendant le Covid au moment de la construction des hôpitaux. Je me permets de relever le point de s'il faut mobiliser 10 000 personnes en une semaine, ils sont capables de le faire. Est-ce que c'est une figure de style ou est-ce que c'est vraiment le cas? Enfin, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans cet exemple sur ce que vous avez pu constater en Chine sur le déploiement, la capacité à construire, à déployer et à trouver des solutions industrielles? Parce que c'est un discours assez... répandu, mais concrètement, pas sur l'exemple de l'EPR, comment ça se traduit? Oui, à Taishan, moi j'ai vu 20 000 personnes supplémentaires mobilisées en moins d'un mois. Ouais. C'est impressionnant. Oui, mais ils ont le tissu pour le faire, et les entreprises pour le faire, les organisations pour le faire. Et s'il y a une deuxième chose que, si je compare, c'est les décisions sont plus rapides. Vous avez un sujet, c'est décidé en une semaine, 15 jours. Mais proprement, mais décider, assumer, avec nous, bon, il y a des groupes, ça réfléchit, ça se concerte, et ça peut prendre 6 mois. Et c'est sûr que quand vous êtes dans une phase opérationnelle, la vitesse de décision, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, ça a été bien identifié dans le programme Excel d'EDF, les fameuses boucles courtes qui sont mises en place pour décider. Le tout sans, à votre sens, que la qualité technique ou la sûreté n'en pâtissent, cette capacité à prendre des décisions rapidement, j'entends. Non, non, et puis il y a des moments où... C'est-à-dire que, et du coup, au contraire, si vous décidez vite ce qui doit être décidé vite, ça vous laisse de la bande passante pour prendre votre temps et réfléchir sur les quelques sujets plus compliqués, plutôt que d'avoir des milliers de sujets qui sont ouverts, et qui encombre le système et qui rend plus difficile la détection des vrais sujets dans lesquels on doit décider.
Je vous remercie. Peut-être deux dernières questions. Une pour nous éclairer, enfin en tout cas m'éclairer, éclairer peut-être aussi tout simplement le public sur le type de. Alors je le dis, enfin le président le dit très bien à chaque fois, on n'est pas là pour établir des responsabilités individuelles. Ce qui s'intéresse, c'est de comprendre le processus de décision et ce qui s'est produit. Mais est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le type de relation qu'entretient le patron d'une entreprise comme Framatome avec les pouvoirs publics, puisqu'il s'agit d'une entreprise stratégique pour le pays, d'une entreprise industrielle avec une capacité à produire à l'étranger, mais aussi un besoin d'assurer un certain nombre de compétences, de technologies stratégiques dans notre pays. Concrètement, quel type de relation vous entretenez avec les pouvoirs publics? Est-ce que vous avez des rendez-vous réguliers avec les autorités? À quel niveau? Est-ce que vous faites part de vos alertes sur votre propre situation industrielle, sur la situation industrielle du pays? Comment ces alertes sont-elles reçues? Bien, d'ailleurs, moi, je suis dans un groupe, donc je suis filiale d'un groupe. Donc, j'intègre quand même cette dimension-là, hein, avec un conseil de surveillance qui se réunit 4 fois par an, un comité stratégique 2 fois par an, un comité d'audit 6 fois par an. Je vois le président du groupe 1 fois par mois, qui est mon chairman, président du conseil de surveillance. Et nous avons des suivis de grands projets, des copiles Excel, des revues de performance, des comités stratégie fournisseurs. Nous avons des comités d'offres avec EDF, donc nous sommes dans un groupe. Hein. Ensuite, l'APE intervient, donc nous avons des relations régulières et moi je trouve de bonne qualité avec l'APE que je remercie. Et puis, de temps en temps, nous sommes sollicités hein, par les pouvoirs publics, les cabinets, nous donnons notre avis. Alors, vous posez la question de l'alerte. Quand moi je suis industriel, moi, si j'ai un problème, je cherche à le traiter, faire celui et le mien. Hein. Donc, je vous ai expliqué l'analyse que j'avais, que l'industrie, il faut la faire monter en cadence et pas s'amuser à faire du yo-yo, parce que c'est le moyen le plus sûr, finalement, de vous retrouver avec un outil industriel pas capable de produire. C'est la situation le pire. Soit vous ne faites pas de programme, vous n'avez pas besoin d'usine, vous les fermez. Soit vous avez des usines, il faut qu'elles soient capables de faire des programmes. Hein. Donc, ça a été ça. Et face à ce dilemme, je veux dire, je ne peux pas préempter des décisions, mais je pense que si on veut garder une capacité à faire des programmes, voilà ce qu'il faut faire, on me donner les moyens de le faire. Et donc maintenant, moi, ce qui m'occupe, c'est de réaliser effectivement ces projets-là. Vous voyez, je ne suis pas dans une fonction forcément d'alerte, puisque j'ai la capacité à agir. Et ensuite, si je ne peux pas agir dans mon cadre, j'en tire les conséquences. C'est comme ça que ça marche dans l'industrie, hein, sur moi. Mais j'ai eu une bienveillance de pouvoir accompagner. Quand j'ai dit qu'il fallait faire 200 millions d'investissements par an, c'est un peu cher ton histoire. Là. Et oui, c'est ça, si on veut des usines qui fonctionnent. À qui vous l'avez dit? Je dis à mes actionnaires. Et finalement, ils m'ont laissé faire. Par contre, en tant qu'industriel, il faut que je trouve le cash flow pour financer ça. Et j'ai eu la chance d'avoir un gros siège, donc j'ai un peu baissé le siège. Et en récupérant 300 millions, ça aide à financer un certain nombre d'investissements de cette nature-là. Voilà. Et je me permets de rebondir. Dans votre propos introductif, vous avez indiqué que quand vous prenez la direction de Framatome, l'état des usines est quand même discutable. Dans quel état sont vos usines aujourd'hui ? Avec 1 milliard de plus dedans, donc ça va mieux. Donc finalement, nos usines maintenant, elles ont une ambition d'être des références mondiales. Et pour Romain, on a dit dans le combustible référence européenne, donc a été modernisé, de gros investissements sont faits. Et nous avons besoin. Alors nous avons doublé les cadences, hein, ce qui est pas facile hein, dans le monde industriel. Nous tournons, par exemple, à Saint-Marcel à un équivalent 0,7 EPR. Nous allons continuer l'effort industriel pour être capable de faire 1,5 EPR par an, hein, en équivalent équipement que nous y faisons. Donc, c'est de l'automatisation, c'est de l'espace pour les flux, des choses de cette nature-là. Bon, après, il y a une chose d'avoir les crédits pour le faire. Il faut aussi avoir les hommes et les femmes pour faire ces programmes industriels et les délivrer. Et c'est la trajectoire que nous suivons aujourd'hui. Après, c'est comme dans tout programme industriel, il y a des moments où c'est formidable, ce qui se faisait en 3 ans se fait en 6 mois, et des moments où il y a des plateaux, des moments où on recule un peu.
Mais c'est ça les trajectoires industrielles. Mais il faut avoir un cap et pouvoir le suivre. Et là, la configuration dans laquelle nous sommes nous donne les moyens d'avoir ce cap. Moi, je suis pragmatique. Et donc, et je disais à mes collègues, ben, s'il n'y a pas de programme, ben, nos pièces, on fera un musée, on montrera le musée du maintien des compétences. Alors, on le fera peut-être quand même, hein, mais il n'y aura pas les pièces. Voilà. Parce que j'espère qu'elles seront dans des réacteurs nucléaires. En tout cas, ça confirme les propos que vous avez tenus en 2021 en disant que vous étiez prêt pour un scénario qui consisterait à construire 6 EPR pour la France. Une dernière question pour ma part. On a auditionné ces derniers jours des anciens et actuels responsables au commissariat à l'énergie atomique. Ça ne vous a peut-être pas échappé. Et notamment hier, l'actuel administrateur général du CEA, en parlant de l'instruction de la décision de lancer le démonstrateur Astrid ou pas et de prolonger les recherches, a évoqué le fait que pour prendre cette décision, de savoir s'il fallait construire donc en 2018 un démonstrateur, un réacteur ou pas, et de continuer les travaux de simulation, enfin d'archivage de travaux et de simulation, a expliqué que autour du CEA, avec le CEA, c'était réuni les grands industriels du secteur pour réfléchir, et qu'ils avaient soumis une proposition commune au pouvoir public qui était de ne pas construire de démonstrateurs et de se concentrer sur la suite des travaux en chambre, si j'ose m'exprimer ainsi. Est-ce que vous avez la même vision des choses? Comment s'est passé ce moment-là? Est-ce que vous-même, vous avez été partie prenante, donné votre avis et ensuite suivi le processus? J'en ai pas comme ça le souvenir immédiat. D'ailleurs, Framatome, c'est la partie réacteur. Hein. Donc la partie 6, dans la fonction Areva, c'est plutôt la partie Orano, je pense. Hein. Je pense que vous parlez d'Astrid. Voilà. Donc, pour nous, Astrid, c'était 30 millions par an qui alimentait 120 ingénieurs, techniciens de très haut niveau pour développer, entretenir ces technologies, mais aussi ça portait des programmes de design moderne. Donc, ce programme s'arrêtant, pour moi, le sujet que j'ai eu à traiter, c'est on a des compétences, des technologies qui ont mis du temps, de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Il me semble que le problème du cycle se reposera de toute façon. Donc la posture, c'était de maintenir ces compétences et ces technologies actives. Alors pour cela, pendant un an, on a continué à bien terminer les dossiers proprement, le programme. Et ensuite, nous avons mis en place une école de design qui consiste à former, à prendre l'élite des Framatome dans le design des réacteurs et de les former au concept de design. Pourquoi nos réacteurs sont comme ça aujourd'hui? Ben, nos anciens y ont pensé, il y a des tas d'idées derrière, il y a des maquettes, des possibilités. Et dans cette école de design, de former l'élite de Framatome en utilisant ce cas de technologie rapide comme cas de formation, de développement de nos collègues pour maintenir nos compétences en vie. Donc nous avons déjà deux promotions de l'école de design qui ont fonctionné. Ensuite, autour de ces équipes, nous avons créé une unité que nous avons appelée Advanced Reactor Unit, unité de réacteurs avancés. Parce que vous voyez bien que dans le monde, il y avait énormément de capitaux autour des SMR, des réacteurs modernes, etc. Et je leur ai dit, bon, allez à la chasse en vendant des briques technologiques. C'est-à-dire qu'on va se faire payer pour renforcer nos compétences et nos technologies sur certains sujets. Et puis si ça marche, on sera là. Et puis on sera au courant de ce qui se passe de ces programmes. Donc c'est pour ça que nous sommes présents sur une dizaine de projets dans le monde. Je voyais hier dans les médias, on annonçait qu'on avait une brique sur NewScale, je crois. Et puis ce sont ces équipes-là, dans ces équipes, nous avons pris le vivier pour venir en appui cette fois-ci de New World, le SMR français. Cette année, ça fera 60 000 heures. Et l'année prochaine, ce qui est prévu, en tout cas si c'est confirmé, c'est plutôt 110 000 heures de nos équipes. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a géré pour maintenir notre capacité technologique et nos compétences sur ce qui était un atout de la France. Merci, mais simplement pour être sûr d'avoir bien compris, sur la partie réacteur, vous n'avez pas été concerté? La partie réacteur Astrid. Très franchement,
Ça, là, j'en ai pas de souvenir. Ça me choque pas parce que la question de cycle, c'est les gens du cycle qui s'en occupent. Nous, nous préoccupons du réacteur. Hein. Et le réacteur, c'est une solution à un sujet de cycle. Voilà. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est d'avoir les compétences pour faire les réacteurs et d'être disponible quand il y en a besoin. Du coup, sur l'abandon du programme Astrid, est-ce que vous avez été informé de l'abandon? Est-ce que vous avez été associé à la décision de l'abandon? Moi, je l'ai vécu plutôt comme étant informé. Et j'en préacte. Hein. J'arrive à comprendre que les crédits ne sont pas infinis, qu'il faut faire des choses. Et donc, comme je vous l'expliquais, j'ai vécu ça comme en disant, voilà, des compétences que nous avons, des technologies, comment? Parce qu'on peut les faire vite de différentes manières. Et donc, je vous ai montré, expliqué comment nous avons maintenu ces compétences et ces technologies en vie dans Framatome. Donc, une école de promotion, on a formé déjà 30 jeunes de plus, de troupes d'élite, hein, à ces technologies. Ça contredit un petit peu ce qui nous était dit hier. Alors, il faudra qu'on vérifie, parce que mais il me semble qu'hier, l'administrateur du CEA nous a dit que la décision d'arrêter Astrid avait été prise collégialement avec le CEA, donc lui-même, EDF, Orano, Framatome. Alors, bon, je crois pas qu'il ait cité. Il n'a peut-être pas cité Framatome. Ouais. Bon. Non, mais peut-être cité que votre actionnaire. En tout cas, ouais. Oui, ben, quand vous êtes fournisseur, vous êtes concerné, mais fournisseur est fourni. Mais, voilà. Ok. J'ai une dernière question. Parce que finalement, dans la perspective d'un nouveau réacteur, Astrid ou un autre, vous vous présentez comme fournisseur, mais vous êtes détenteur de licence aussi, non ? C'est pas vous, c'est EDF, c'est... À ce moment-là, c'était le CEA qui nous sollicitait, hein, qui faisait ses financements sur Astrid. Et puis, bon, nous sommes dans la filière française avec le CEA, donc je pense que vous avez un... Mais la licence sur les REP aujourd'hui, sur les EPR, c'est Framatome. C'est EDF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de licence, puisqu'on a surmonté cet état. Ce sont nos technologies. Et le propriétaire de technologies de réacteurs sur les REP, c'est Framatome. Donc, si demain, il devait y avoir un autre type de réacteur français, à vocation à être standardisé, il serait plutôt logique de penser que, vu la construction de notre paysage industriel, ce soit demain Framatome qui soit le détenteur de la technologie réacteur. Bien, nous nous présentons comme des chaudiéristes, hein, c'est-à-dire des gens qui font vivre ces technologies. Hein, et nous pensons que c'est un métier exigeant d'être chaudiériste. Vous voyez, il faut être au moins 10 000 ou 16 000 pour faire vivre ça. D'une certaine manière, vous avez une analogie avec les motoristes, hein, dans les moteurs d'avion. Effectivement, nous entretenons, nous travaillons à maîtriser les technologies, à les faire vivre, et nous en vivons de leur valorisation d'un côté, et des services et de l'appui, que ce soit de la maintenance ou des combustibles, parce que finalement, le chaudiériste, c'est celui qui garantit que le combustible va marcher dans le réacteur. Voilà. C'est ça l'ossature du business model actuel de Framatome. Très bien. Madame Brulbois. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour votre éclairage vraiment précis et passionnant sur Framatome, qui est quand même l'acteur international majeur de la filière nucléaire, au savoir-faire reconnu. Mais vous êtes d'abord un chaudiériste nucléaire. Vous l'avez dit, les métiers de base sont les métiers industriels. Nous avons besoin de ces métiers, qui sont les chaudronniers, les usiniers, les soudeurs. Et nous savons que pour remettre au plus vite en état de marche nos centrales, nous avons dû faire appel à des soudeurs étrangers. Donc nous avons un peu perdu notre culture nucléaire et notre fierté nucléaire en France. Donc que faut-il faire pour changer le regard industriel des jeunes sur les métiers industriels, en particulier sur ceux de la filière nucléaire? C'est important. Et vous l'avez dit, vous avez mis en place
un transfert des savoir-faire. Je pense que c'est un genre d'apprentissage, mais il nous faut absolument redonner de l'attractivité à ces métiers industriels. C'est la base, vous l'avez dit. D'autre part, le chef de l'État a annoncé la construction de mini-centrales nucléaires avec des réacteurs nouvelle génération qui viendront en appoint des grandes centrales. Vous l'avez dit, vous avez déjà une grande expérience dans le sujet puisque vous fabriquez des briques technologiques. Apparemment, les USA et la Chine ont déjà un train d'avance sur nous. Donc, à ce stade, pensez-vous que nous sommes prêts ? L'Europe vient de nous accorder 50 millions d'euros d'aide pour développer justement en France les CMR. Est-ce que vous pensez vous appuyer sur la technologie de réacteurs à neutrons rapides, qui est quand même l'avenir durable du nucléaire ? D'avance, je vous remercie. Merci. Vous avez évoqué les soudeurs qu'il a fallu faire venir. Je crois que c'est Framatome qui a fait venir le plus de soudeurs, puisque nous avions terminé des programmes de remplacement de générateurs vapeur au Canada et aux États-Unis. Donc, nous avions des équipes rodées. Alors, dans ce cas précis, c'est quand même un peu particulier. Le tissu industriel français, il n'est pas fait pour réparer la moitié des centrales en même temps, si vous voulez. C'est dans une circonstance un peu particulière. Et les interventions qu'il faut faire sur ces parties-là sont en milieu dosant. C'est-à-dire qu'une personne peut faire 5 postes, pas plus. Et donc là, vous vous trouvez quand même face à 5 postes, hein, vous intervenez 40 heures. Hein. Et donc, face à un problème de nombre. Et donc, on a dit, bon, vu l'ampleur du sujet, on préempte des collègues nord-américains, on les fait venir en France, on les forme. Serviront pas, en fait, ils servent. Mais ça nous paraît, vu l'enjeu, un no-brainer. Voilà, c'est comme ça que la décision a été prise. Et donc, nous avons adapté nos méthodes avec le Coca-Cola le matin et le hot-dog à midi. Voilà. Donc voilà pour ce sujet qui est quand même particulier. Hein. Vous avez, ensuite, vous avez évoqué l'attractivité. C'est vraiment le sujet. Hein. C'est l'attractivité de l'industrie, l'attractivité de nos filières. Alors, nous avons beaucoup d'efforts, hein, des ambassadeurs, des ambassadrices dans les écoles. Il nous faut des ingénieurs, mais pas seulement. Il nous faut aussi des techniciens, ces métiers-là qui sont rares, des opérateurs. Par exemple, à Paimbœuf, où nous sommes passés de 6000 km de tubes par an à 9000, nous avons recruté, mais avec les agences locales pour l'emploi, on a pu reconvertir des pâtissiers, qui sont des très très bons opérateurs, pour usiner des tubes et préparer des tubes. Donc, il y a aussi des filières, hein, qui peuvent être mises en place. Et puis, une fierté de réussir ces opérations-là. Les alternants sont aussi une solution. Je regardais, donc cette année, on aura en France un peu plus de 350 alternants recrutés. Alors, le volume, il est supérieur parce qu'il y en a qui restent 2 ans. Hein. Et ensuite, ce que nous faisons, c'est nous faisons des portes ouvertes. Finalement, il faut montrer à nos familles d'abord, à nos enfants. Donc je demandais qu'on baisse l'âge. Donc on peut, à Saint-Marcel, c'est 6 ans pour rentrer. C'était très utile parce que mon fils a 8 ans, donc il a pu rentrer aussi. Il y avait 1300 personnes au mois de juillet dernier. Et les soudeurs ont montré comment ils soudaient, etc. Et j'ose dire, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mon fils veut être soudeur maintenant. Et j'en suis très fier. Donc il faut, c'est ouvrir, montrer et afficher notre fierté. Alors qu'on était beaucoup dans le défensif, on ne marche pas, il y a des trucs qui ne marchent pas. En France, nous avons des très bons soudeurs. Les nouvelles soudures qu'il fait reprendre à Flamanville, entre Framatome et nos sous-traitants, le taux de réussite linéaire était supérieur à 99,5%. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui peuvent faire des choses pareilles. Donc oui, on a des problèmes, mais il faut aussi oser parler de la qualité des personnes. Et effectivement, il faudra. Alors ensuite, les différents projets, il y en a. Ces réacteurs innovants ont une valeur en soi pour moi, c'est qu'ils montrent le côté innovant qui attire nos nouvelles générations et nos nouvelles élites. De savoir qu'il y a des nouveaux projets, même des start-up, on verra ce qu'elles deviennent, mais ça attire, ça donne ce côté innovant. Et donc le nucléaire, c'est pas nos grands-pères qui nous racontent la grande époque, hein. C'est aussi ce côté innovant. Et donc, ça foisonne.
ça foisonne et on ne sait pas quand il y a un foisonnement lequel va sortir. Et donc nous, on a une position très simple, on soutient de mieux qu'on peut New World en France. Et puis on est présent par des briques technologiques, en général c'est des combustibles, on est très présent là, ou un contrôle commande, ou un système de manipulation, etc., dans d'autres programmes. Et pour moi, l'histoire n'est pas encore écrite. Mais ça participe de l'attraction de la filière. Et rien que pour ça, ça a une très grande valeur. Merci beaucoup. Monsieur Dubois. Oui, merci Monsieur Fontana pour vos éclaircissements et votre présence. J'aurais une question par rapport à votre exposé. Vous arrivez en 2015, donc en responsabilité. On constate que, sur ce que vous nous dites, et on n'est pas surpris, que vous êtes pratiquement avec une pyramide d'âge donc élevée. On voit que vous avez peu de commandes sur l'investissement, donc que Framatome n'a pas suivi ses investissements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? On se rend compte après, par la suite, que après 2015 et récemment, parce que vous nous parlez du programme Juliette, on comprend bien, je crois comprendre que ce programme Juliette, parce que EDF est actionnaire à 75,5% de Framatome, est-ce que ce ne serait pas avant, bien avant 2015, les manques d'investissement liés à des manques de commandes d'EDF ? Ça paraîtrait surprenant. Et on voit bien qu'au vu des difficultés sur le chantier de Flamanville, EDF, est-ce que ce programme Juliette n'est pas lié à ces difficultés de rendre donc le chantier dans les délais, et vous lancez ce programme Juliette parce que vous nous dites très poliment que vous voulez fabriquer des pièces et qu'il ne faut pas qu'elles aillent dans des musées. On voit bien qu'on a fort besoin qu'elles aillent à Flamanville et rapidement pour avoir un chantier rendu en temps et en heure. Et j'aimerais bien comprendre, à un moment donné, pourquoi EDF ne commande plus, il n'y a plus de commandes passées donc à Framatome, et cette accélération, ces 400 millions d'euros que vous nous avez annoncés sur ce programme Juliette, de bien nous expliquer clairement, plus que de nous parler de fabrication de pièces et que ça aille dans un musée, sur 400 millions d'euros. Je pense qu'une entreprise comme EDF, quand elle vous passe donc, et elle valide le programme Juliette, je pense que c'est pour autre chose que vous amusez ou vous ayez compétence à fabriquer des pièces plutôt qu'elles aillent dans un musée. Je pense qu'il y avait un intérêt particulier justement sur ce chantier de Flamanville. Et autre, c'est une remarque. Je constate aussi qu'à Framatome, vous avez une mission sur les sous-marins nucléaires. J'espère que ce n'est pas aussi désorganisé que ce qu'on voit sur les réacteurs, parce qu'on aurait à terme d'être très inquiet. Donc, pour commencer, le chaudiériste pour les sous-marins, c'est Technic Atom. Mais par contre, effectivement, nous fournissons des pièces, des forgés, des pompes. Les forgés du Barracuda sont livrés. Il y a même Barracuda dans l'eau en ce moment. Et ça a été suivi avec... pour ça, parfois, je vous fais des analogies avec la manière de gérer des programmes militaires, parce que j'en vois un bout. Et c'est aussi, nous avons créé une marque Framatome Défense, parce que c'est aussi pour nous un motif de fierté de travailler pour la défense. Et c'est de montrer que nous sommes engagés, parce que finalement, nos préoccupations de compétences dans la durée de technologie, elles répondent aussi à des attentes des acteurs de la défense. Alors, les pièces qu'on fait, elles ne sont pas pour Flamanville, parce que celles de Flamanville, elles ont été fabriquées il y a longtemps. Hein. Parfois, nos pièces, il faut 7 ans pour les faire. Hein. Et donc, nous avons proposé de les faire parce que, vous ne pouvez pas une usine comme Saint-Marcel, où il y a 1000 personnes qui travaillent. La baisser à 500, ensuite la remonter comme ça, c'est du temps pour d'expérience, de gestes qui se transmettent. Et ensuite, en général, quand on commence un programme, nous sommes, au moment où ça commence, sur le chemin critique, vu le délai qu'il faut pour faire nos pièces. Et donc l'idée, c'est de dire,
si effectivement on pense, si, un, il faut qu'on soit capable de les faire, donc il faut qu'on fasse les gestes, et finalement on garde les gens, faire les gestes sur des pièces, ça coûte l'acier, mais l'acier finalement c'est cher, mais pas plus que ça par rapport aux enjeux qu'il y a de maintien des compétences. Et si les programmes se matérialisent, à ce moment-là, on est prêt suffisamment tôt pour ne pas mettre le programme en retard. Et ayant cette courbe d'expérience et de qualité, on va faire des choses beaucoup plus compétitives que si on doit réapprendre et prendre 5 ans pour réapprendre et avoir 4-5 ans de retard dans la livraison de nos pièces. Voilà, c'était ça le raisonnement. Flamanville, c'est du montage et du chantier. Là, j'étais dans les équipements. Ensuite, effectivement, des expériences comme Hinkley Point, Sasswell C sont excellentes pour les équipements parce que ce sont quasiment les mêmes. Par contre, les chantiers sont faits par des Britanniques en Grande-Bretagne. Et donc, tout le monde sait bien qu'il y a un point d'attention, c'est d'être capable d'avoir ces chantiers-là. Ensuite, EDF n'avait pas laissé Areva NP sans rien faire. Mais il ne lui commandait que ce qu'il pouvait lui commander. Par exemple, dans le cadre du grand carénage, il y a des générateurs de vapeur à remplacer. Et donc, il y a des commandes qui vont jusqu'en 2032, hein, que j'ai trouvées en arrivant, donc qui étaient déjà passées. Mais qui était, voilà ce que j'ai pour, qui me sera utile dans les 15 ans qui viennent. Mais EDF n'était pas en situation de commander plus de pièces que celles dont elle avait besoin. Là, on pose vraiment la question de la capacité à faire un programme nucléaire. Hein. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Alors j'espère que j'ai donné un éclairage qui répond à votre question. Merci, Madame Lernos. Oui, merci. J'aurais plusieurs questions, puisque dans la perte de souveraineté, y compris la manière dont vous l'avez illustré, il me semble important, dans le contexte géopolitique particulièrement tendu en matière d'énergie, d'avoir quelques éclaircissements sur la dépendance, justement, de Framatome aussi, notamment avec la Russie et Rosatom, dont il a été question, avec des questions assez précises, puisqu'on n'extrait plus d'uranium sur le sol français depuis le début des années 2000. Une question donc pour savoir si cette maîtrise, enfin en tout cas cette dépendance à la Russie est maîtrisée. Avec des questions, Framatome peut-il honorer aujourd'hui ses commandes de combustible sans recevoir d'uranium enrichi provenant de la Russie? Quels sont les clients qui achètent du combustible à Framatome? Quels sont les contrats qui lient Framatome à Rosatom pour le commerce d'uranium? Quels sont les autres contrats qui lient Framatome à Rosatom? Il semblerait qu'il y avait, en tout cas que Rosatom était intéressé à avoir une co-entreprise avec l'ANF, filiale de Framatome à Lingen, qu'une demande de consortium avait été demandée à l'État fédéral belge, qu'elle a été retirée, et que ce consortium, en tout cas, devait être basé en Allemagne, puis en France. Et il serait intéressant de vous entendre pour savoir où on en est sur ce consortium. Le 2 décembre 2021, il semblerait que Framatome et Rosatom ont signé un accord de coopération à long terme. Et quels sont les secteurs des activités qui sont concernés par cet acteur? Et quels sont les montants versés entre Framatome et Rosatom dans le cadre de leur accord de coopération depuis le début de l'invasion russe en Ukraine? Il me semble que c'est important aussi par rapport à l'indépendance et à la souveraineté de notre pays. Ensuite, j'avais une question. Vous avez évoqué les défauts de fabrication pour les composants des réacteurs nucléaires. Vous en avez fait état, la pyramide, en donnant un certain nombre d'explications à votre sens. Mais il y a quand même sur la culture du sûreté que vous avez évoquée, l'inspection de l'ASN, qui a fait une inspection dans l'usine du Creusot en juin 2022, donc c'est très récent, indiquait que la culture de sûreté au sein du site du Creusot est convenablement ancrée, mais qu'il convient de la maintenir et de la consolider dans la durée à tous les niveaux. Est-ce que ça dénote pas là d'une marge de progrès considérable? Et entre, vous avez une logique d'industriel et c'est logique, mais le nucléaire a quand même une question de sûreté qui est un peu plus importante peut-être que sur d'autres industries au vu des impacts. Et donc, il y a la question quand même qui se pose. L'ASN a fait plusieurs vérifications.
quand c'est l'industriel qui doit procéder, vous avez dans la supply chain, vous avez expliqué les processus et les contrôles qui doivent être effectués. Or, c'est à chaque fois pas vous qui avez signalé les problèmes industriels, mais c'est bien l'ASN qui a mené une inspection et qui a dû révéler. Et donc, c'est comment vous comptez remédier à cela, puisqu'il semble quand même qu'il y a des marges de progression, même si vous avez dit que la réglementation avait changé, notamment sur la tuyauterie et les cuves. Ça peut être inquiétant de voir qu'il y a des manquements à la sûreté sur une fabrication industrielle. La dernière question que je voulais vous poser, c'est par rapport à la voie du nucléaire. Vous financez de 100 000 euros par an l'association de la voie du nucléaire, qui a récemment présenté un scénario alternatif pour la transition énergétique, qui compte notamment sur la prolongation de 60 à 70 ans des réacteurs actuels et la construction de 22 nouveaux EPR. On peut s'interroger sur est-ce que vous soutenez ce scénario. J'imagine que oui, si vous financez les travaux pour concourir à l'élaboration d'un tel scénario. Est-ce que c'est un outil, puisque vous avez dit qu'il fallait des commandes d'EPR et que pour garder une filière et une souveraineté sur l'industrie française du nucléaire, il fallait des commandes. Est-ce que c'est une manière d'influencer aussi les pouvoirs publics afin qu'ils s'engagent dans la commande de nouveaux réacteurs nucléaires? Et donc, c'est une manière de financer des scénarios alternatifs pour que vous puissiez continuer à avoir des commandes. Ça fait partie de la stratégie de développement de Framatome. Merci. Je vais commencer par la culture de sûreté, puisque c'est... Là, je vous ai dit que c'était la priorité hein, de Framatome dans mon propos liminaire. C'est ma priorité personnelle. D'ailleurs, j'ai demandé à ce que dans chacune de nos sites, il y ait un menhir. Alors, on n'a pas trouvé de menhir. C'est une grande pierre qui soit suffisamment lourde pour qu'elle soit très difficile à déplacer, où il y a écrit sûreté, sécurité et compliance, hein, conformité, notre license to lead. Que chaque salarié qui rentre puisse voir en rentrant sur son lieu de travail. Et quand on fait une acquisition, la première chose qu'on fait, c'est de mettre cette pierre. Et la première chose que je vais faire, c'est voir comment va la pierre. Voilà. Et, alors, ce n'est pas qu'une pierre pour être vue. La culture de sûreté, c'est la priorité numéro un de Framatome. La sûreté et la sécurité, la priorité numéro un de Framatome, ma priorité personnelle. Et donc, il m'a paru important que nous soyons tous formés à la culture de sûreté. Donc, tous nos nouveaux arrivants ont le droit à une formation de culture de sûreté. C'est en gros à quoi ça sert, ce que je fais, d'avoir cette conscience-là. Et comme c'était bien, on a dit, ben, on va former ou reformer tous les Framatomes par tranche de 25% par an. Donc l'année dernière, c'était 25%. Cette année, 50%, on est déjà au-dessus. L'année prochaine, 75%, etc. Donc c'est vraiment Et nous l'avons érigé sous forme de valeur. Hein. Nous avons sûreté, sécurité, futur, performance, intégrité. On dit les choses, passion, parce qu'on est engagé. Donc ce sont des valeurs. Et la première chose, l'acte refondateur de Framatome en janvier 2016, quand se réunit le premier équipe qui sera le comité exécutif d'Areva NP, c'est les valeurs. Alors, ensuite, au Creusot, ben, nous on trouvait que c'était un grand progrès d'avoir cet avis, parce que le Creusot avait été arrêté pour le nucléaire français pendant presque 3 ans. Et donc de constater qu'il y avait des progrès. Alors on a beaucoup investi, hein. Ils sont passés de 200 à 400 avec toute une structure autour. Oui, il faut l'entretenir et on peut toujours progresser. Et c'est clairement faire en sorte que ces progrès qui ont été faits soient non seulement ancrés dans la durée, mais restent. Alors c'est pour ça qu'on a créé un centre d'excellence au Creusot, un campus où on vient se former à la sûreté. Et on veut que les personnes qui souhaitent travailler dans la forge pour le nucléaire viennent au Creusot, que ce soit le centre de référence mondiale. Et je vous y invite, vous verrez, c'est très très bien fait. C'est un hangar d'entretien qui a été complètement transformé pour faire ce campus centré sur la sécurité et les compétences, notamment en matière de forge et de simulation. La Voie du Nord, ben, nous, effectivement, une association, nos salariés nous disent, mais on parle souvent du nucléaire pour le critiquer. On aimerait qu'il y ait des gens qui parlent. Donc, on a effectivement contribué. Je ne peux pas vous dire exactement le montant. Je ne connais pas par cœur. Mais par contre, ils sont libres de faire ce qu'ils vont. Et je sais qu'ils ont un scénario, mais je ne sais pas combien de réacteurs il y a dedans. Ils sont libres. Souvent, il y a des anciens de Framatome, des anciens d'Areva qui sont dedans, mais pas que. Hein. Et
ils éprouvent le besoin de dire, ben non, on aime le nucléaire et d'avoir un accompagnement pour le dire. Ce qui est plus facile aujourd'hui, mais qui n'était pas si facile que ça il y a quelques années. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les a, on les a soutenus. Sur la partie relation avec Rosatom, elles sont de plusieurs natures. Vous avez évoqué le 2 décembre 21. En fait, nous avions déjà un accord cadre qui définissait nos relations. Ce n'est pas un contrat, c'est un accord cadre, et qui a été renouvelé à ce moment-là. Donc ce n'est pas un contrat, c'est un cadre. Les relations sont de plusieurs natures. La première, c'est qu'il y a dans beaucoup de réacteurs russes à l'export, il y a des contrôles commandes Siemens qui sont maintenant Framatome. Et lorsque certains pays achètent des réacteurs russes, ils demandent à avoir un contrôle commande occidental. Et c'est les Framatome qui interviennent là-dessus. Et donc, aujourd'hui se pose la question de la maintenance de ces contrôles commandes, mais ce n'est pas pour les Russes, c'est pour les clients dans les pays concernés. Donc on assure cette maintenance. Et ensuite, il y a des réacteurs en construction. Et là, bon, les sanctions, certains ont été arrêtés, comme Anikivi en Finlande, ou d'autres continuent. Mais les sanctions ne touchent pas nos activités, mais quand même, l'envoi de documents est réglementé. Donc pratiquement, les choses sont au point mort. Ensuite, donc un premier sujet. Deuxième sujet, c'est les combustibles. Donc les Russes essayent de faire des copies de nos combustibles. Bon, c'est la concurrence, c'est normal de placer leur combustible. Et moi, je leur avais dit, il y a beaucoup de réacteurs russes en Europe centrale. Nous développons des combustibles Framatome pour donner une alternative. Maintenant, transiter n'est pas quelque chose de facile. Et ils avaient la conscience que c'était nécessaire. Et nous avions convenu à l'époque de nous mettre ensemble pour faire des copies des combustibles actuels russes dans des sites Framatome pour donner une alternative à ces centrales nucléaires qui soit pratique. Parce que quand vous faites un combustible nouveau, il faut le licencier. Ça peut prendre 10 ans, ça. Il faut tester tout ça. Quand vous faites la copie, elle est licenciée. Il faut simplement la qualifier. Et donc, c'était ça la situation que nous avons trouvée. Et maintenant que vous avez des pays d'Europe centrale qui dépendent de combustibles russes. En gros, ils ont un choix, soit américain, mais il faut licencier, soit d'avoir accès à des copies pour... on stocke des composants chez nous et puis on fait les copies dans nos sites. Voilà, c'est ça qu'il y a derrière. Donc nous, on met sur la table cette alternative en deux temps. Un, une copie qui donne une solution immédiate pour ceux qui ont besoin de cette solution immédiate. Et deux, une perspective d'avoir quelque chose de totalement souverain. Donc pour ça, on avait envisagé un site en Allemagne, c'est pour ça, c'est celui que vous évoquiez. Bon, est-ce que ce sera en Allemagne? Moi, je pense qu'à terme, ça se fera en France, c'est plus facile. Si ça se fait, l'histoire dira, mais en tout cas, nous continuons nos travaux pour développer des solutions totalement souveraines, avec des alliages qui viennent de chez nous, etc. Et puis, pour offrir une alternative, si c'est utile, pour ces pays d'Europe centrale. Vous avez évoqué ensuite l'uranium. En fait, dans notre industrie, quand on fait des combustibles, nous achetons de la zircone. Ça peut se trouver, je sais pas, en Australie, en Afrique du Sud. Nous faisons la chimie pour faire des éponges, pour faire du zirconium. Nous faisons de la fonderie dessus, à Ugine. Nous faisons du laminage à froid, à plat, etc. Par exemple, à Rugle. Nous faisons du laminage à pas de pèlerin, à Montreux-Junier, près d'Angers, ou à Paimboeuf, pour faire des tubes. Et ensuite, ces tubes, nous récupérons l'uranium, qui en général ne nous appartient pas. Ce sont les électriciens qui possèdent leur uranium. Et nous sommes, en général, travaillant sur celui de Orano, évidemment, mais nous sommes agnostiques, enfin l'uranium c'est de l'uranium, et que nous mettons, faisons des pastilles, nous mettons ça dans les tubes, nous calculons, dans des grilles, nous calculons, nous disons ça va marcher dans votre réacteur nucléaire. Donc c'est ça le sujet de Framatome. Donc nous, l'uranium c'est pas le nôtre en général, c'est celui de nos clients. Alors on a des clients qui ont eu des contrats avec les Russes de retraitement, etc., qui sont en train de se repositionner, nous honorons nos contrats. Mais ce n'est pas nous qui achetons cet uranium. Voilà.
Oui, de façon très claire, en réalité, vous, sur la question du combustible, vous vendez plus une prestation de service qu'une matière. Voilà, ouais. Voilà. Parce que c'est très cher, l'uranium, enfin, c'est très stratégique, et ça, c'est traité directement par les électriciens. D'ailleurs, à un moment, Areva avait essayé de regrouper, parce que finalement, dans Areva, vous aviez à la fois l'uranium et le réacteur, et les clients n'avaient pas pris. Est-ce que ça va bouger avec les restructurations du marché, circonstances actuelles? C'est quelque chose qu'on surveille, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est le cas pour EDF, qui est propriétaire de son uranium, qui vous le confie pour sa transformation et qui récupère à la sortie du combustible. Est-ce que tous les électriciens pour lesquels vous travaillez fonctionnent de la même façon ou c'est spécifique à EDF? Ils sont tous comme ça, hein, tous comme ça. Et dans le cas où nous ferions des combustibles copies de substitution des Russes, à ce moment-là, à titre exceptionnel, les opérateurs d'Europe centrale ont demandé si on pourrait aussi fournir l'uranium. Et alors on demandait à Orano, est-ce que vous pourriez fournir l'uranium, qui leur simplifie, parce qu'apparemment, ils devaient effectivement s'approvisionner dans le pays que vous avez cité. Ouais. Très bien, merci. C'est l'exception, la seule exception que j'ai à l'esprit, c'est cette demande particulière de leur trouver une solution pour de l'uranium. Ça se fait avec Orano, et après, ça, je pense que ce sera un contrat. On verra avec Orano comment monter le contrat, s'il a lieu. Des questions encore? Monsieur le rapporteur? Mais écoutez, monsieur Fontana, on vous remercie pour la précision de vos réponses et la disponibilité que vous avez eue pour notre commission d'enquête. C'était encore une fois une audition très intéressante qui nous permet de mieux cerner la structuration de la filière industrielle nucléaire et ses articulations en France. Je donne rendez-vous aux membres de la commission d'enquête cet après-midi pour la prochaine audition. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie et puis j'en profite pour remercier mes collègues de Framatome, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail. Et puis, si vous aimez le nucléaire, Framatome recrute. Merci beaucoup.